GoPro le Maroc, c'est la locomotive de la filière de l'industrie automobile au Maroc. Hein, on a terminé l'année, une année très importante pour nous, que ce soit sur la partie industrielle, mais aussi sur la partie commerciale. Il y a un ou deux chiffres importants, c'est que 10% des véhicules qui sont vendus par le groupe au niveau mondial sont fabriqués au Maroc. Ça, c'est très, très important. Voilà, nous avons aussi lancé l'année dernière 3 nouveaux modèles industriels de véhicules à Tanger, à Casablanca, qui nous ont permis de développer nos activités, mais aussi de développer tout l'écosystème automobile qui tourne autour de nous. Donc les perspectives sont là, la trajectoire elle est là, donc on continue à travailler chaque jour pour produire des véhicules de qualité mondiale qu'on exporte vers plus de 70 destinations. Pour le trophée, l'award qu'on a reçu aujourd'hui, on est très fiers de l'avoir. C'est une récompense de tout l'effort des équipes, les 12 000 salariés d'entreprise, mais pas que. Il y a aussi tout l'écosystème qui travaille à côté de nous, nos partenaires publics et privés. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que dans un contexte assez particulier de crise Covid et de manque de composants électroniques, on a réussi à maintenir nos activités au bon niveau et à maintenir aussi nos emplois grâce à la qualité du dialogue social qu'on a réussi à instaurer depuis plusieurs années, que ce soit à Tanger ou à Casablanca. La Fondation Macer fête cette année ses 15 années d'existence. C'est un centre de R&D pluridisciplinaire qui a été initié par les pouvoirs publics en vue de promouvoir une R&D appliquée et applicable au plus proche des besoins de l'économie et de l'industrie nationale. Aujourd'hui, Macer relève de l'UM6P et c'est une composante de l'enseignement et de la recherche et développement de l'écosystème UM6P. Alors Macer, comme je l'ai dit, est un centre pluridisciplinaire avec un certain nombre d'expertises dans différents domaines de compétences qui nous permettent aujourd'hui d'adresser différents secteurs d'activité, de la santé à l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables en passant par les transports intelligents, smart cities. Et au quotidien, notre objectif, c'est vraiment de développer le Made in Morocco. Aujourd'hui, et surtout cette pandémie, nous a démontré à quel point le renforcement de la sécurité, qu'elle soit sanitaire, alimentaire, technologique, énergétique, sont cruciales pour notre pays. L'innovation et la R&D, aujourd'hui, sont un vrai levier de développement pour notre pays. Alors, pendant cette pandémie, et en s'appuyant sur une expertise que nous avons construite au fil des 10 dernières années, en matière de mise au point de kits de diagnostic pour certaines maladies prévalentes au Maroc et en Afrique, les équipes de Macer ont pu développer en moins de 3 semaines le premier kit 100% marocain de diagnostic du Covid-19 validé au niveau national et à l'international par l'Institut Pasteur de Paris. Et aujourd'hui, c'est un kit qui est produit et commercialisé par Moldiag, qui est une start-up qui émane de Macer. Nous avons produit pas moins de 3,5 millions de tests et aujourd'hui, nous sommes fiers de fournir tout le réseau du ministère de la Santé ainsi qu'une cinquantaine de laboratoires privés. Nous avons également effectué une première opération d'export vers un pays en Afrique et donc qui s'inscrit clairement dans une logique de coopération sud-sud. Alors notre présence aujourd'hui dans le cadre de cet événement qui rejoint justement la stratégie nationale de l'accompagnement de l'entreprise marocaine justement pour objectif de la souveraineté industrielle entre autres, c'est la souveraineté de l'entreprise marocaine et du produit marocain. C'est un événement très important, là où il va y avoir de la communication, de la sensibilisation par rapport aux programmes qui ont été mis en place par notre pays sous la haute la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est justement pour la mise en place de cette stratégie. Mais aujourd'hui, on est appelés tous, entreprises, États, à mettre en place un cadre favorable pour l'accompagnement de cette entreprise. Et là, quand je parle entreprise, je parle particulièrement de la TPE marocaine, parce que le tissu économique marocain, il représente plus que 80% il représente ces entreprises-là petites, elles représentent plus que 80% dans le tissu économique national. Donc on est appelé à accompagner ces entreprises-là justement d'abord dans la structuration de ces entreprises-là. C'est le maillon faible de notre stratégie. On doit commencer par ces entreprises et c'est avec ces entreprises qu'on va faire la bataille justement pour s'installer, pour se positionner d'abord au niveau national et puis après au niveau international, notamment sur le marché africain.